Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Lego Dimension. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, ça fait plaisir de se retrouver pour dire de continuer notre aventure sur ce jeu. Alors, on s'est arrêté à l'épisode 30, on avait battu Lord Vortec lors d'un de ces mondes. Mais là, du coup, on va devoir continuer l'histoire. L'histoire, les niveaux, c'est là-bas. Voilà. Alors j'ai changé de caméra aussi au niveau de du Toypad, comme ça vous voyez un petit peu mieux je pense. Voilà, c'est tout. Un petit peu mieux. C'est déjà pas mal au final. Au passage ils ont fait des mises à jour avec les nouveaux mondes à explorer dans l'éclat. Il y aura Batman Movie K2000. D'ailleurs, ils ont également annoncé la vague d'extension suivante. J'essaie de vous montrer avec les personnages. Du coup, donc ça, c'est les personnages qui sortiront au mois de février avec Batman en version Excalibur, Batgirl et Robin qui seront dans le pack histoire de Lego Batman Movie et K2000. Voilà, c'est tout. Donc bon, je connais pas trop K2000, après Lego Batman Movie, il faut aller voir le film pour continuer. Mais en tout cas, on a déjà tous les autres personnages, donc ça c'est cool. Et ils ont annoncé du coup la vague d'extension du mois de mai, avec Hermione de Harry Potter. On a également les Goonies avec un level pack, et Sinnoh. Et on a Chase McCain de Lego City Undercover. Alors du coup, on va essayer de continuer l'histoire aussi, parce que là j'étais parti pour sélectionner le niveau. Sélectionner le niveau, c'est là, voilà. Nous allons dans Vorton, et donc on venait de faire Prime Time, et bah du coup on continue. Le magicien n'est jamais en retard, ni en avant. Ce n'est pas Gotham. Ni la terre du milieu. À moins qu'il n'ait tout redécoré. C'est la tour Octan. Mais la gravité, elle débloque. La gravité débloque? Si c'était le cas, je m'en serais rendu compte. Comme je le disais, on est censé tomber par là. Je veux dire, tant mieux pour nous. Le 3 a commencé à modifier cette dimension. En route. Et bah c'est pas gagné. Forcément faut que je me mette à tousser dès le début. Alors j'ai pas encore fait le niveau Milo Arcade, du coup c'est mort pour jouer là. J'ai acheté aussi un extra rapidement tout à l'heure. Avant de commencer j'ai regardé rapidement les extras que j'avais débloqués, parce que j'ai été chercher tous les extras dans les mondes de l'année 1 quasiment. Et du coup voilà, en fait ça m'a permis d'avoir, vous savez, l'aimant en pièces. Regardez, hop, voilà, je les ai déjà alors que je suis vachement loin. Ouais, pièce bleue, ça c'est nickel, avec les x2, c'est parfait. Hop. Nous contrôlons les éléments, nous contrôlons tous les portails. C'est vrai qu'il y avait un petit souci. Wow. Et du coup, ce monstre possède différentes personnalités capables d'influencer le monde, tout comme les pierres maîtresses. Ok. Du coup, il y a 3 zones au portail. On est d'accord. Ah. Ok, ça se casse pas. Donc du coup, c'est Jay qui est avec nous. Ah, un truc à construire, ça c'est cool. Ça va nous falloir Batman. Ah bah, on va faire d'abord aussi Gandalf ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Ok. Et là, il nous faut Scooby-Doo.
Enfin, je sais que c'est Scooby-Doo, mais je pense qu'il y a d'autres personnages qui peuvent le faire. Mais on va mettre Scooby-Doo. Oh, on va mener l'enquête. Bah alors, pourquoi je peux pas... Ah, je peux même pas rechercher, quoi, au calme. Ah ouais, c'est vrai que je peux pas creuser, il me propose pas de creuser. Très étrange, très étrange. Je vais rajouter rapidement Aquaman aussi. Hop, notre ami Aquaman. Afin d'éteindre toutes ces flammes pour que nous soyons tranquilles. Puis ça nous donne des pièces en même temps, hein, vous connaissez. Je kiffe avoir le niveau briseur de règles. Voilà, hop. Bon, écoutez, on va reprendre Batman pour essayer de voir ce qui se passe. J'ai réussi à comprendre un chien. Je ne suis plus limité qu'au poisson. Oh là là. C'est Scooby-Doo. Ah bah oui, c'est Scooby-Doo. Ah. Alors déjà, on a accès au deuxième pot de fleurs, ça c'est plutôt cool. Il y a un truc à faire avec le Toypad. Le côté vert, rouge et bleu, mais j'ai pas encore trouvé ce que ça allait être. Oula, c'est quoi là qu'il nous faut? Honnêtement, là j'ai un gros trou de mémoire sur qui il nous faudrait. Attendez, je regarde rapidement les personnages. Je suis ici avec Aquaman, mais ça m'étonnerait que ce soit Aquaman. Non? Ah oui, ok. Scooby-Doo! Voilà, c'est bon, j'ai pigé. C'est ça! L'avantage. Hop. Du point vert sur le trackpad. Voilà, ça nous a libéré un pont. Facile. Facile, facile. Ouais, on va casser toutes les tables. Ça détend ça, les amis. Oh bah, en fait, c'est vachement bien la tornade comme ça. Wouhou! Oh, j'ai un truc à construire là. Parfait, vas-y Scooby. Ah, Benny. On va retirer lui, on va avoir besoin de Benny. Ouais. Ah ouais, ça se casse aussi ça. C'est venteux. Wow, on a besoin de tout le monde en fait. Je vais ramener d'abord Benny, comme ça on va pouvoir faire le petit niveau dans la bande d'arcade, sachant que K2000 pourra aussi y accéder. Salut, moi c'est Ben, mais vous pouvez m'appeler Benny. Ouais, c'est Ben, moi je t'appelle Benny si je veux, wesh. Ah oui, c'est vrai que du coup, moi il est sur la partie rouge, mais j'ai... Ah, ça marche pas dans ce niveau là Ah d'accord, ok, ça va être compliqué. Alors du coup, on va retirer Scooby, on va retirer Aquaman, et voilà, comme ça, hop. Ok, ah, il y en a 6 en plus quoi. Wow, hop, on va le mettre là. Allez, oui. Oh, ça c'était beau ça. On va aller sur le vert. Et avant qu'il y ait l'autre. Hop, hop. Rouge. Non. Merde. Bon, on va d'abord se mettre sur le bleu aussi. On va déjà anticiper avec le rouge là-bas. Voilà. Non. Voilà. On y arrive les amis. C'est parce qu'il faut vraiment jouer avec le Toypad, un truc de fou. Hop, voilà, briseur de règles déjà, ça c'est un plaisir. Hop, j'essaye de bouger en même temps le personnage. Mais non, pourquoi il est pas assez rapide? Ah, on va d'abord finir ce côté là, comme ça on sera tranquille. Ah, en plus forcément c'est pas du bon côté du tout. Hop, voilà, je mets déjà le rouge, le temps qu'il arrive, et voilà. Ça c'est fait.
Hop. Non. Bon, bah, c'est pas grave, au moins, ça nous a fait déjà gagner un peu de temps sur le fait de revenir au début. Voilà, on va se mettre là, le vert. Non, mais non. En mode boulet. Parce que du coup, j'essaie de jouer avec une main pendant que je joue avec le touchpad, ce qui est pas forcément évident. Voilà, hop, 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 on anticipe avec le rouge, voilà. Numéro 4 sur 6, hop, on se met sur le vert. Wouah, c'était chaud patate là. Hop, on va se mettre déjà sur le bleu. Voilà, le rouge, putain, je suis passé rapide. Fais chier, je suis passé rapide. La bleue. Voilà. Mais non. Pas assez rapide du tout. Ah ouais, mais je perds des briques en plus quand il me touche, quoi. J'étais à 129 000. Et du coup, là, je suis plus qu'à 126 000. Voilà. Hop, hop, hop. On anticipe avec le rouge. Voilà. Voilà. Hop là, hop. Oh, 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 voilà, nickel, on met le rouge là, voilà, on met le vert. On met le rouge, putain, on n'oublie pas. Allez, oui, oui, c'est bon. Wouhou. Ça va, on s'en est pas trop mal sorti pour le moment, les amis. Oui, ça, j'avais pas oublié. Qu'est-ce que se passe? Le mini kit. Je n'avais pas le même look que dans mes souvenirs. Ah. Je vais chercher un endroit pour faire un vaisseau spatial. A plus. Oula, 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 oula. Oh, c'est électrique. J'avais oublié. Voilà, ce n'est plus électrique. J'avais tout compris depuis le départ. Est-ce qu'on peut aller par là? Il n'y a pas l'air. Du coup, Aquaman, cette il va être là. A des pouvoirs semblables aux nôtres. C'est un véritable danger. Robin, sors de ta transe, tu n'es pas cette personne. Everything is awesome. Tout est super génial. Putain. Voilà. On a bien la musique. Du coup, ça fait quoi ce machin là? Ah. Ok. You, c'est parti. Ok, on est où là? Putain, faut pas se choper les objets à tous les coups. Bah quoi que, on se les chope. Tous les coups, il doit y avoir un mini kit là-dedans, non? Bah non, on peut pas se les taper les objets. Wow, c'est un point. Et en fait, ils nous font ça, mais en... du coup, on charge. On va atterrir où? C'est là la question. Ok. Sont en dessous des hangars. Je ne laisserai personne détruire la terre du milieu. Bah techniquement, détruire la forge des orques, c'est pas trop grave. Hein. Mais j'adore cette ambiance du Seigneur des Anneaux. Ah, ça c'est le Chi. Du coup, il nous faut un personnage de Chima.
Il faut récupérer le chi surtout. Ça c'est cool qu'il nous mélange les univers. Carrément dans le... Voilà, on a été dans l'univers de Cool Tag avec Machin et Barbe d'Acier. Techniquement, on devrait aller après dans Gotham City. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, purée, c'est vrai. Faut pas oublier un truc, c'est que les personnages de Chima... Hop, je vais mettre Krager, par exemple. Non, je veux pas le louer, le héros. En fait, il faut taper les méchants pour récupérer du chi. C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là. Et du coup, là, j'ai tapé tous les méchants, ce qui est pas forcément pratique. Ah, voilà des méchants. Voilà des méchants. Voilà du chi, les amis. Et du coup, ça se recharge autour de mon personnage. Une fois que j'ai emmagasiné pas mal de chi. Après, je m'y connais pas trop, hein, dans les... Dans ça, mais... Attendez, j'ai un problème avec la Batmobile. Je vais la retirer. Hop. On va tout mettre. Hein. Et là, on peut charger ce genre de machin-là. Avec toutes les bouboules qu'on récupère. Voilà. Ouais, j'en aurai assez, ça va. Et du coup, là, ça nous débloque ceci qui nous débloque un mini-kit. C'est toujours bon à prendre. Donc ça va, ils nous font repopper des monstres en boucle. Comme ça, on peut avoir du chi si on en a besoin. Bon là, techniquement, on va plus en avoir besoin pour un petit moment. Non, c'est pas celui-là. Je vais juste le faire rapetissir pour aller par là. Ah oui, faut se mettre en mode normal. Ouais, qu'est-ce que ça nous apporte ceci? Ah, il nous faut Gandalf. Voilà, hop, on le met en grand. Qu'est-ce que tu veux nous faire, Coco? Ok. Une échelle pour de monter. On va essayer de monter là, non? C'est un morceau du pays des nuages perchés. Il faut qu'on arrête ce délire. C'est vrai. Wouhou! Des pièces, voilà. Il faudra sans doute plus qu'une incantation. Ah, on a eu un petit bug, je sais pas si vous avez vu sur l'écran, il y a rapidement eu une échelle qui s'est formée au mur. Voilà, celle-là, du coup, et ça c'est pas trop grave. J'ai juste pas été voir vite fait ce que Cool Tag nous permettait de faire juste en bas, donc je vais y retourner rapido, afin de le faire, quoi. Ouais. Ok, ouais. En fait, il nous faut aussi lui pour ça. Voilà. Ah, bah c'est un mini kit en fait. Enfin, autant le faire tout de suite, comme ça on n'est pas embêté. Alors, Cool Tag, ma cocotte. Hop, voilà. Troisième mini kit, ça c'est bon. Je veux juste chercher aussi un personnage qui sait voler. Qui sait voler. Bon, bah allez hop, on va mettre Voldemort. Après cette nuit, plus personne ne contestera ma puissance. Hop, on va passer de l'autre côté comme ça du coup. On va voir ce que ça donne. Oh oh. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Parce que bah du coup, ils ont cassé le pont, mais je pense qu'il faut savoir le réparer, mais honnêtement, j'ai pas forcément envie de chercher comment le réparer. Puis on est toujours dans la forge des orques, donc hop. Ce truc-là, on sait pas ce que ça fait. Alors, il y a un truc à faire avec ça, parce qu'il y a une flèche dessus. Et je pense qu'il nous faudrait... Scooby-Doo, je l'avais sorti tout à l'heure. Voilà, hop. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? Ça nous permet d'ouvrir ceci. Bon, ça, on s'en fout. Mais il y a un truc à faire là avec le sol là-bas, du coup. Ah, mais. Ok. Ah, on est dans la comté. LOL!
Lol, on nous en a compté. Ah bah encore une petite pièce secrète, un petit peu comme l'épisode précédent, je sais pas si vous vous souvenez. L'épisode précédent, le 29 même, du coup. Ah non, c'était le 31, le 30, pardon. Et bah alors, ah bah il me faut machin. Trop de bonhomme là, hop, on va retirer lui, lui, ouais, même lui en fait au final, hop. Ah bah il y a tout le chi qui est tombé là. Ça c'est pas grave, on en a pas besoin, hop, il nous faut le spécial effectivement. Pour casser tout ça. Comme quoi les mecs il est vraiment pratique au final. Hein. Voilà. Ouais. Alors du coup là faut aller dans l'endroit qui est de plus en plus vert. Attends, c'est pas grave si je t'appelle Lucie, hein? Est-ce que les gens savent? Oh mince, j'ai fait une boulette, c'est ça. On cherche l'endroit le plus vert, donc ça se voit via le touchpad. Alors là, c'est pas bon du tout, par exemple. Hop, il faut aller plus par là, ouais. Attendez, voilà. Faut regarder aussi un petit peu l'écran. Hop là. Appuie à fond. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous faire apparaître? Ah oui, d'accord, ok. Ah bah les Hobbits, ils sont contents, hein. Tain. Ah bah, minikit. Pourquoi pas sans me priver, les amis. 1 sur 5. Oh oh. 2 sur 5. Là, il nous faut un petit personnage. Je vais d'abord faire les ampoules. Oh là là, et tout ce qu'on pourrait casser, en fait, là. Mais non, pas ça, moi. 3 sur 5. Ça, il nous faudra aussi creuser. Je vais d'abord vraiment faire toutes les loupiottes. 4 sur 5. Et 5 sur 5. Nouveau mini-kit ? Aucune inscription maléfique. Non, tout a l'air en ordre. Ouais, des feux d'artifice. Ah ouais, du coup, il est où le... Il loue le mini kit. J'ai rien gagné. Oh, tristitesse. Attendez. Scooby-Doo. On va pouvoir creuser encore une fois. On va construire un levier pour le coco. Et voilà. Vous avez sauvé Sam. Nice. Bah, c'est tout ce que j'ai le droit. Un petit merci, quoi. Il n'y a rien, quoi. Au passage, on va me prendre Gollum. Vu qu'on est un... Honnêtement, lui, on en a plus besoin non plus. Hop. Oh oh. Juste pour ça, mais bon. C'est bien. Le précieux. Le précieux. Oui. Le précieux. Il donne plus rien. Oh non. Ça, c'est marrant, par contre. Bon, du coup... Oh, s'il pouvait nous retirer cette musique affreuse pour le retour vers le... Enfin, pas elle est affreuse, mais elle est pas de contexte, du coup, on va dire. On va essayer de voir s'il y a encore autre chose. Donc ça, c'est l'autre morceau. Enfin, ça, c'est pour rentrer. On a 300 000 pièces, ça, c'est cool. Par contre, j'ai lui qui peut... Alors, c'est avec qui qu'on peut réinvoquer ? Wonder Woman. Oh, là, là, là. Hop, voilà. On va lui faire nettoyer et rendre notre kit. Mais non. Oui, un mini kit. Parfait, parfait, parfait. Et bah du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais casser ça tranquillement. Comme ça, ça va me permettre de faire quelques petites pièces. Il n'y a plus grand-chose, là, honnêtement, dans cette salle-là, je pense. Ce sera juste du cassage de pièces pour dire de gagner un petit peu de thunes. Et on se retrouve en haut de l'échelle qu'on avait laissé juste avant dans la forge des orques. Donc, à tout de suite, enfin, à tout à l'heure pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu.
Non, pas Wonder Woman. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt, les stupides bijoux flous.